Coucou tout le monde. Bon, comme vous avez vu, il est tôt, il est 3h15. Il faut que je me prépare et que je descende ça. Voilà, qui va pas être facile dans mes escaliers. Voilà, donc aujourd'hui on s'en va à Majorque, vous l'avez bien compris, pour l'Ironman. Je vous emmène avec moi sur l'aventure, c'est parti. Bon là du coup on est à l'aéroport et en fait on galère pas mal à essayer de mettre nos vélos en soute et tout, c'est un peu le bazar. Donc bon, le triathlon c'est galère. Bon les gars, il est 6h15 et là on est en salle d'embarquement. On embarque d'ici 15 minutes à peu près et on décolle à 7h. Voilà, j'ai l'impression que je suis levée déjà depuis 10 000 heures. Je pense que je vais dormir. Et on se retrouve du coup à Majorque. Allez, à toutes. Bon, on a trouvé, pour l'instant il n'y a personne dans le bus. C'est quoi ce bruit? C'est nos vélos. Le stress avec Thomas c'est que nos vélos ils soient démontés quand on arrive. Enfin, ils sont déjà démontés mais qu'ils soient cassés quoi. On est arrivé à Alcudia et en fait là je cherche du wifi pour contacter le mec du Airbnb parce qu'on n'a pas du tout de wifi ici, on n'a pas de réseau, donc c'est trop la galère. Bon et bien ça fait une heure qu'on tourne en rond et qu'on est toujours à la porte avec tout ça ici. Donc c'est vachement galère parce qu'on pourrait aller se balader, on pourrait aller monter nos vélos ou chercher nos dossards, mais en fait on n'arrive pas à contacter le propriétaire du Airbnb. Donc on attend. Mais bon, il fait beau, il y a du soleil, il fait chaud et c'est cool. J'ai rencontré pas mal d'abonnés, c'est cool aussi. Ça me fait trop plaisir de vous rencontrer à l'étranger. C'est trop cool de croiser des Français ici. Mais il y a des vélos de ouf, il y a des nanas, elles ont des vélos de ouf, elles ont des cuisses de malade. Sincèrement, je pense qu'il y a vraiment vraiment du niveau. Moi je vais être toute derrière. Mais bon, je trouve ça vraiment hyper cool et hyper intéressant de voir des pros comme ça. C'est vraiment top. Nous avons enfin trouvé. Donc hop, chambre. Là il y a une chambre aussi. Oh les nains. Ouais. Oh merde, tu filmes. Qu'il est con. Donc nos vélos qu'il faut absolument qu'on monte. Hop. La cuisine. Hop, la petite salle de bain tranquillement. On a une bonne petite terrasse, c'est cool. Voilà. C'est vraiment chouette. Et hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? On a une dernière chambre. Voilà. Parfait. Donc c'est vrai que c'est quand même assez grand pour un appartement à deux, mais c'est cool. Au moins on a de la place. Et c'est chouette parce qu'en plus Thomas c'est le genre de mec qui s'étale partout. Je sais pas s'il m'entend. Bon alors là on va monter nos vélos et après je pense qu'on va aller au village Ironman. Bon, nous sommes repartis. Alors comme vous voyez il y a beaucoup de vent, mais j'espère juste qu'il n'y aura pas ce vent là samedi, parce que sinon ça va être horrible. Donc là on va aller se trouver un petit truc à manger. Et je crois qu'on va aller après retirer les dossards. Et peut-être faire une sieste aussi. Et peut-être faire du vélo. Faut qu'on choisisse. Bon, du coup on va aller chercher nos dossards. C'est trop marrant l'arrivée, c'est sur la plage, regardez. Juste là. Voilà. Et on va courir avec un stop dans les yeux, j'ai l'impression, hein. Ouais. De ça. Donc voilà, ça c'est mon numéro de dossard. Je vous montrerai demain ce que je ferai. Ça c'est à mettre sur les sacs de transition, le casque, le vélo, c'est les autocollants. Et ça c'est mon dossard. Voilà. Et du coup là il est à peu près 3h et du coup là on va faire une petite sieste, une bonne petite sieste pour se reposer parce que ce matin on s'est levé vachement tôt. J'en profite aussi,
Mag, si tu passes par là, et Axel, regardez. Ça, c'est parce que c'est quand j'ai nagé mes 10 boards en natation. Et bah, j'ai fait des séries avec le pool boy entre les cuisses. Et je suis pas habituée. Voilà, mais bon, je vais m'habituer. Donc là, on va dormir un peu. Et après, je pense qu'on va aller rouler un peu. Allez, vas-y. Ça, c'est la pompe de Thomas. Et à chaque fois, Thomas, il met ses autocollants de ses Iron Man. T'en as pas un qui te manque, d'ailleurs? Si, j'ai que Floride, parce qu'ils ont pas d'autocollants sur ce format. Ah, ouais. Bon, il en manque un. Fou, on est parti, on va aller rouler. Hop, enfin, on va aller essayer nos vélos. Voilà. Donc, en fait, c'est pour voir au niveau des réglages ce qu'on a fait, si ça va ou pas, genre le prolongateur. Oh, t'es con. Regardez comment c'est trop beau. Non, t'inquiète. Oh, franchement, j'adore. Regardez la mer et tout. Et là, la montagne. C'est trop magnifique. Trop mignon. Mais vraiment trop chou. Bon, c'est bon, je suis rassurée, mon vélo il est remonté comme il faut. Voilà, parfait. On a fait 24 km tranquillement. On a roulé sur une route, mais c'était genre génial. Si tout le parcours vélo pouvait être comme ça, franchement, ce serait trop trop bien. On va manger. On va manger ? On va acheter à manger d'abord. Ça dépend si c'est ouvert, peut-être acheter à manger. Ouais. Je mangerai à fouiller. Okay. Ah, t'as trouvé un truc particulier, toi, ou pas? Bah, des noix de cajou, mais... Ah! Bon, alors, ce qui est super stressant, c'est qu'en fait, on voit toujours des gens qui se préparent tout le temps, et genre, c'est trop des pros, quoi. Et nous, on est en train de bouffer, et... Voilà. Donc, ouais, c'est... Je pense qu'il y a vraiment du niveau sur cet Ironman. Vous regardez la plage le soir. Voilà. Je vais vous emmener, je vais voir, je vais vous montrer où est-ce qu'on va nager. Et en fait là, regardez, donc là c'est les sorties. En fait, dès qu'on sort de l'eau, hop, on vient là, hop, 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 hop. Je crois qu'on va tout ça, tout là. Vous allez voir le tournis là. Et je crois qu'on récupère là-bas les trucs pour la transition vélo.